Une star de plus dans la constellation toulonnaise, peut-être le plus beau coup jamais réalisé par le RCT. Mahanonou, double champion du monde avec les All Blacks, débarque en Europe pour la première fois de sa carrière. Et à 33 ans, il n'a pas choisi Toulon par hasard. Il y a beaucoup à dire sur Toulon, les supporters ont vraiment l'air chauds. C'est une ville de rugby, les gens sont dingues de rugby. C'est aussi un super cadre pour ma famille. Je suis venu ici pour une nouvelle aventure, c'est ma nouvelle maison et je donnerai le meilleur pour Toulon. Mahanonou, monsieur fantastique comme il est surnommé, n'a jamais vraiment brillé en club, mais sous le maillot des Blacks, c'est une légende. 31 essais en 103 sélections, un centre ultra puissant grâce auquel Toulon, triple champion d'Europe, espère encore progresser cette saison. Ce que je sais, c'est qu'on signe, c'est un grand joueur, mais on n'a jamais signé le passé d'un joueur. Aussi de l'avenir. Donc le passé c'est très bien, c'est magnifique, mais j'espère que ce qu'il fera à Toulon sera à la hauteur. Notre groupe, il va falloir qu'il s'adapte. Il ne faut pas trop lui mettre de pression. C'est pour ça que le mot star, j'aime pas trop. Parce que si on pense qu'on va lui donner le ballon et qu'il va aller entre les poteaux à chaque fois, ce ne sera pas ça. Quoi. Émile Amor, avec le soutien de Guirado, Pélissier, bonne initiative de l'arrière australien. Avec Mahanonou maintenant, tout droit. Mahanonou s'arrache, Palisse ne le reprend pas. Et le deuxième essai de Toulon, marqué par ce All Black champion du monde, Mahanonou. Sur un pas. Tito Nono, la lissée, la sautée, attention, ballon difficile pour Alf Penny qui est passé, le Gallois qui a trouvé Mahanonou qui va sortir la passe supplémentaire, enfin, on n'arrêtera pas Mahanonou, et Toulon est en train de marcher sur Montpellier. Impressionnant, la démonstration de force de Toulon, dès cette entame de deuxième mi-temps, impressionnant.
du pied, ce ballon cafouillé par les Lyonnais, Toulonnais à la course. Et là, il champion de la cage, Manonou a percé. Il a un duel sur l'extérieur. Manonou qui remet un coup de gaz. Le coup de pied assuré, c'est bien fait pour Ashton. La course de Chris Ashton. Intérieur pour échapper à un regard. Accélération, refus sur Gill. Toulon's quarterfinal hopes rest on this. Nonu, out of Tuisova. Tuisova's got space. James coming across. Tuisova gets the score. Are defending with just a dozen. What can a dozen defenders do against Toulon? Atoje at the bin, players down, space opening up, and Havana with a run for the line. And those Toulon supporters.